Bonjour à vous, bienvenue sur une digue languedocienne, accompagnée de mon ami Greg Debeau. Bonjour à vous. Voilà, la dernière fois, sur le numéro 26, nous avons parlé de différents montages, spécial loup, dorade, marbré, avec différents appâts. Aujourd'hui, on va vous parler un peu des appâts vraiment spécifiques pour la dorade. Des appâts vraiment spécifiques à la dorade et d'autres qui seront plus polyvalents mais qui fonctionnent très très bien aussi sur la dorade. Bah, que ce soit de la digue ou du bord. Ou du bord. Voilà. Donc là, on a différents appâts. Ben, Greg, tu peux les présenter. Ouais, on a donc des vers de sable, des bibis, des couteaux, des vers de sable qu'on a ramassé là tout à l'heure, voilà. Des arénicoles que l'on a ramassé aussi juste là tout à l'heure. Donc ben, écoute, on va commencer par le bibi. Ouais. Il y a plusieurs façons de déchirer le bibi, on le sait. Et la façon que je vais présenter là, elle est, on va dire, différente. Hein, parce que c'est vrai que le bibi, on dit toujours, il ne faut pas le percer, il ne faut pas le trouer. Mais en fait, moi, tu sais, le bibi, je le prends, le prends deux. Donc Greg, tu vois, le fameux bibi de 7. Ouais. Et c'est vrai, c'est spécifique, tu sais, il faut vraiment regarder l'anus. Donc l'anus, le laisser et prendre côté, on va dire, juste l'extrémité. Et là, ce que je fais, je pince un peu le bout, ouais. Et je coupe. On va perdre du jus, ça, on le sait. Ouais, mais au moins, il va bien se diffuser. Voilà, et... bon. C'est des montages qu'on va, là, ici, de la digue de 25-30 mètres, donc on va pas trop l'abîmer. Donc, on va dire une aiguille hein, à locher. Une aiguille à locher. On le rentre de part en part. On essaye de faire au mieux. Voilà. De là, je prends le montage. Voilà, le montage. Donc en tandem, hein, ce qu'on avait montré au numéro 26. Et de là, on le rentre côté bout. Parce que le tabu, on va dire qu'il reste, ça fait un petit bibi quoi. Ah oui, coupé, oui. Ça fait un petit bibi. Seulement pendant 10 minutes, un quart d'heure, il va diffuser vachement des flux. Voilà, c'est ça. Bon, l'hameçon, ce qu'on a, l'hameçon, on essaye de le cacher au mieux. T'as vu, Isaac ? Eh oui, moi, je n'aime pas voir un hameçon qui dépasse. Hein. Voilà. Donc voilà, voilà comment il est léché. Un bibi coupé. Ça, c'est vraiment excellent pour la dorade. Dans les lancers de distance, on va dire relativement proche, dans les 40 premiers mètres, le premier quart d'heure, c'est vraiment très très bon, vu toutes les effluves que cela disperse. Pensez à le changer assez régulièrement. Ah, poisson. Mais c'est petit, hein. Tu veux ça là-bas ? C'est petit, non, poulet. Je vais descendre, je vais la décrocher. C'est tout petit. Petite dorade. Mais on va essayer de ne pas la blesser et de la relâcher dans les bonnes conditions, quoi. Donc voilà une petite dorade, la belle sourcil d'or, et pris au bibi, comme vous pouvez le voir, coupé en deux. Hein. Voilà, et hameçon en tandem, deux hameçons en tandem. Ça marche, même si elle n'est pas grosse, c'est déjà bien de l'avoir. Bon, on va la relâcher parce qu'elle est petite. Hein. On sait que la maille maintenant est passée à 23, elle est faite, mais bon, on va lui donner. Une autre chance quoi. Et s'il faut, ben dans un an ou deux, si on peut la revoir, ça fera mieux quoi. Voilà. Hop. Allez. À la prochaine. Donc comme vous avez pu le voir, après la relâche de la dorade, là, il y a eu une petite touche. Et par contre, quand il y a eu une petite touche comme ça, c'est pas forcément que c'est une petite dorade. Très souvent, mais les petites touches, c'est des grosses dorades. Ça m'est arrivé plusieurs fois mais de voir le sillon trembloter, vraiment léger, et faire des dorades de 2 kg, voire plus, quoi. Ça n'empêche pas. Par contre, les touches, des fois, elles se produisent à l'inverse, quoi. Au lieu de le sillon bouge, votre fil se détend, donc forcément, on ne voit pas le sillon bouger, et votre fil revient au bord. Donc, fil détendu, c'est souvent une touche à revenir, quoi. Donc là, par contre,
vu qu'on pêche sur des rochers, ben, vite prenez contact, prenez la canne, prenez contact avec le poisson et essayez de la ferrer au mieux, quoi. Parce que si elle vient se mettre dans les rochers, là c'est souvent la casse assurée, quoi. Ben, l'année dernière, ben, écoutez, sur cet épi, sur cette digue, ben, le sang m'a produit. J'étais un peu loin, donc j'ai le temps d'aller à la canne. La dorade s'est venue se mettre entre deux rochers et j'ai pas pu la sortir. Et là, un plongeur était à quoi, 2 mètres de moi, et je lui ai demandé ben, s'il pouvait aller me la décrocher. Et franchement, il a fait avec gentillesse, il est allé, et je vais vous dire un truc, c'est qu'il a été obligé de l'harponner, parce que ben, elle était trop profonde, donc il a harponné. Il me l'a ramené, je lui ai dit merci, et comme quoi, ben, on peut cohabiter, voir les plongeurs, ben, ici il y en a pas mal, il y en a beaucoup, et ils sont là, ils restent au bord, ils nous respectent, quoi, donc il n'y a pas de souci. Ils sont là, ils font des sèches, que ce soit au bord de plage, digue. Et ici, ben, pas très loin, il y a une digue émergée. Et là, ben, c'est à nous ben, de leur rendre l'appareil. Ben, on essaye de leur laisser, d'éviter de les embêter, en pêchant, ben, en décalé, quoi. C'est normal, je pense que c'est un échange. Comme quoi, si tout le monde se respecte, ben, on peut tous cohabiter, quoi. Voilà, bon allez, on va lancer. Écoute Greg, on va passer au verre de sable. Allez, on va passer au verre de sable qu'on a ramassé tout à l'heure. Un peu de la même manière que dans le numéro 10 où Jérôme l'a ramassé en plongée avec la combinaison. On les a ramassés tout simplement dans 20 cm d'eau en soulevant un caillou. Il y en avait qui étaient présents, on les a récupérés. Il y avait aussi quelques arénicoles avec. On a profité pour les prendre. C'est toujours bon à prendre. Avec les premiers centimètres de sable, je les ai soulevés avec les mains, en plantant les mains dans le sable. Très délicatement pour essayer d'attraper les vers sans les casser. Et ensuite, nous avons récupéré tous les vers de sable qui étaient retombés dans les alentours. Parmi ces vers de sable aussi, nous arrive fréquemment de trouver pas mal d'arénicoles, un peu plus petites, légèrement différentes de celles qui se trouvent en Atlantique et qui sont excellentes. Par contre, étant plus petites, on ne les ébrode pas comme ils font là-bas. On les sèche aussi simplement que les vers de sable, mais on n'appuie pas sur les lancers, donc on va dire que c'est des appâts qu'on va servir pour les distances de pêche aux alentours des 40-60 premiers mètres, pas plus loin. Donc qui est vraiment idéal pour ces pêches en digue. Et évidemment, Jérôme, n'est-ce pas que des appâts frais ramassés, on va dire, à la minute, lorsqu'on s'en sert, il n'y a rien à voir. Il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. C'est, ça, c'est des appâts de pays, quoi. C'est des appâts frais, voilà, ils sentent la digue. Il faut toujours remettre à leur place les cailloux, afin de préserver les petits trous et surtout d'essayer de retrouver les vers de sable au même endroit. Trop avoir à les chercher, on sait que ce caillou se retourne assez facilement, déjà on l'a déjà retourné quelques fois. Et on sait que dessous il y a toujours des vers de sable. Pour la prochaine fois. Et voilà. Donc là je vais essayer de prendre le plus beau. Hein. Même s'il y en avait pas mal, des jolis. Hop là, voilà, il est là. Bon, important de toujours l'attraper par la tête le vers de sable, parce qu'il a vachement tendance à se casser. Bah, il a beaucoup de mucus. Ouais, voilà. Beaucoup de mucus. Il est très dur à le tenir. Donc l'astuce que tu connais, prendre du sable un peu sec. Sur la plage, on prend du sable sec, là, bon, on va essayer de le faire comme ça. Quoi. Donc là, ben, je vais vraiment lui mettre l'aiguille dans le trou de la bouche. Moi, je procède de la sorte et descendre l'aiguille doucement jusqu'en bas. Quand il s'entoure, on essaye de le faire redescendre. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir l'aiguille un peu mouillée. Quand l'aiguille est sèche, le verre accroche et il est un peu difficile de le faire monter. Alors que quand l'aiguille est humide, il glisse tout seul dessus. Donc après, l'astuce pour faire passer la queue du verre au petit nœud de l'hameçon, pour avoir un plus gros orifice, j'enlève un petit bout de verre de sable. La queue, quoi. Oui, la queue, voilà. Ce qui permet d'avoir un beau morceau à la fin. Et le nœud de l'hameçon, il passe beaucoup mieux. Une belle astuce, Greg, parce que tu vois, je le faisais pas, ça. Et hop là. Il passe tout seul. Il passe tout seul. Voilà.
impeccable. Voilà, un verre comme ceci présenté, en général, au coin où on se trouve, en général, les BMMR n'y résistent pas. On peut tout aussi bien prendre un marbré, voire un sar, un loup. On a fait même pas mal de jolis loups ici, avec ces verres de sable là. Et encore maquereau en ramenant, sorel, tout ça, bon, c'était en ramenant. Non, pas possible ça. Ah, c'est pas... Marbré, marbré. Ouais. Bon marbré. Hein. Eh ben bravo poulet. Non, non, mes petits marbrés. Le verre de sable hein, encore. Hein. On le sait, le verre de sable. Hein. Hop. Il a avalé. Ah ouais, il a avalé. Ouais, pour pas trop lui faire mal. Hein. Ah, tu coupes le fil. Je vais couper le fil. Tu peux tenir le fil, s'il te plaît. Allez, couper le fil à ras de la bouche. Hein. Parce que. Si je le dégorge, il y a de fortes chances qu'il saigne, que je lui abîme les branchies ou quoi, et il repartira pas. Tandis que là, tu vas le remettre. Voilà, tout en douceur. J'aurais dû me douter qu'avec la touche à revenir, ce serait marbre. Ouais. Allez, le prochain, c'est plus gros. J'espère, hein. Bon, ben, en parlant d'appât que l'on peut trouver au bord, sous nos pieds, maintenant, je vais vous présenter aussi comment hécher deux moules, vu que j'en ai ramassé deux assez belles tout à l'heure. Et il y en a tout autour de nous, comme vous pouvez le constater, il y a des moules de différentes tailles collées au rocher. En cherchant un peu, on peut trouver celle à la taille idéale. Et voici, donc je vais prendre la plus grosse des deux pour montrer la première technique. En fait, cette technique, c'est une technique que j'ai vue dans le côté pêche numéro 10, sur la pêche... la pierre en bateau. C'est une technique qui m'a vachement plu et que j'ai essayé d'adapter à la pêche de bord, au surfcasting en général, à la pêche de bord en général. Et apparemment, ça a plutôt bien réussi. Donc ce qui est important, c'est de ne pas trop ouvrir la moule, de bien gratter le nerf pour décoller la chair. Essayer d'en garder le maximum. Par contre, sur cette partie-là, il ne faudra pas trop gratter au couteau. On va venir par derrière. Décoller un maximum de chair, on va décoller un peu aussi sur le devant de la moule. Et là, on va essayer de conserver toute l'attache à la coquille. C'est ce qui va permettre de bien présenter la chair au maximum. Donc après, on fait sortir la chair. Voilà, là la chair, elle est maintenue par deux petits nerfs. C'est très solide, ça ne bouge pas. Préalablement, à l'aide du couteau, j'ai effectué un petit trou sur le dessus de la coquille. Et maintenant, à l'aide de mon aiguille, je vais passer dedans. C'est une aiguille à bibi, une aiguille à locher, plus simple. Hein. Hop. Et à la maison, j'avais collé juste au-dessus d'un hameçon de 6 une petite perle noire. Noire tout simplement pour qu'elle se confonde avec la couleur de la coquille. Donc cette petite perle noire va venir embuter sur la coquille, laissant libre l'hameçon que l'on va pouvoir cacher discrètement. D'accord, en fait la bille noire c'est pour amortir quoi. La bille noire sert à amortir et noire pour la discrétion, quelle est la couleur de la moule. Donc on va pouvoir venir discrètement cacher l'hameçon dans la chair. Voilà, il est très bien caché. Évidemment comme ça Jérôme... présenté comme cela, ça va être tellement attractif qu'il y a une multitude de poissons. Les poissons du secteur vont vite se rabattre là-dessus. Il faut espérer que ce soit les grosses en premier. Et donc, avec cette manière-là, il faut être très proche de la canne car les touches vont être très rapides. Ouais. Mais ensuite, bon, mais pour essayer d'être un peu plus sélectif, tout en étant aussi attractant, je vais montrer une deuxième technique avec le même principe de perles, mais juste sur l'hameçon.
avec une seconde moule, ligaturer la chair d'une seconde moule sur cet hameçon-là. Tu vas nous montrer ça? Ouais. Donc pareil, j'ai fait un petit trou. Donc préalablement, là, j'ai ligaturé la chair d'une seconde moule sur l'hameçon. L'hameçon, c'est le même principe tout à l'heure, une petite perle collée à 3 cm, un hameçon de 6. Donc, le petit trou. Là, j'ouvre la moule. En fait, je l'ouvre tout simplement. Là, je casse le nerf. Et je passe de suite. Donc, il va y avoir la moule, on va dire simplement ouverte, avec la totalité de sa chair intacte, plus une moule ligaturée à l'intérieur. Ouais, c'est presque sur le même principe, sauf que tu as une moule en plus sur l'autre hameçon. Voilà, tout à fait. Tout à fait, voilà. Ça va se présenter comme ça dans l'eau. Là, ça va être un peu plus long parce qu'il va falloir quand même passer à l'intérieur et il faut croquer un peu la coquille. Donc, c'est plus sélectif pour les plus gros poissons. Ah oui, là, et là, on peut éventuellement aussi la ligaturer complètement pour la retrouver fermée si le poisson est bien présent. Ouais. Au moins, elle durera un peu plus longtemps déjà. Si vraiment, il y a des belles. Si y a des belles. Parce que là, tu sais, quand tu mettras un élastique, là, les flux, ça sortira quand même. Hein. Oui, ça sera pas fermé. Oui, oui, oui. C'est franchement un bon montage. Ça te plaît, mon petit? Ça... Voilà. Bon, après, évidemment, que ce soit des vers, des moules, des couteaux, si le crabe est présent sur la zone, ça fait pas de vieux os. Ah. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre un crabe. Voilà. Donc, tu as tout compris, cher écoute, ami. Ben, on va montrer maintenant comment mettre un crabe, on va dire, vert, le crabe vert. Par contre, il y a une technique, vous faites un petit clin d'œil à Néné de Marseille, je sais pas s'il se reconnaîtra. Ah, si c'est à Marseille, c'est pas un crabe vert, c'est une favouille. C'est une favouille, ah, favouille, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Et on va dire que cette technique, elle m'a plu et je l'ai mis en pratique, franchement, c'est vraiment pas mal. Donc, bah, écoute, Greg, regarde, là, c'est bon, on va un peu le blesser, hein, mais bon. C'est la pêche. C'est la pêche. Donc, allez, écoute, tu vois, on coupe toutes les pattes, les pinces. Il est bien vert celui-là. Ah, tu vois, ouais, une jolie couleur. Il me plaît. Et là, pour vraiment qu'on découvre vraiment sa chair, on va couper tout autour, on va le faire de suite. Voilà, vous coupez tout autour. Ah ouais, on dirait un hamburger de crabe. Ah ouais, tu vois, t'as tout compris. T'as tout compris. Voilà, tu vois, hop, un petit coup là. Voilà. Et là, il y a juste à décapsuler, comme on peut le dire. La carapace. Voilà. Regarde si c'est pas beau ça. Magnifique. Si c'était une dorade, il sortirait dessus. Regarde. Tout chaud. Et là, donc préparer un montage Wisbon. Et juste les hameçons, on les met juste derrière. Ah oui. On les plante et on sort. Un là. Et un là. Alors par contre, là on a compris, c'est comme les moules que tu m'as montré et le bibi, c'est des appâts qui vont pas durer longtemps, quoi, hein, s'il y a des petits, tout ça, chaque 10 minutes, un quart d'heure, il va falloir changer. Après, on peut toujours mettre du fil ligaturé pour essayer de maintenir un peu plus longtemps, voilà, c'est ça, la c'est chair ça. Sur... Mais bon, quand vraiment les dorades sont présentes, franchement le mieux c'est ça, et ça au fond, ben... Ouais, là encore, présenté de telle manière, bon, ben, ça n'a pas... qui n'est pas fait pour atteindre des distances énormes, toujours entre 30, 40, 60 mètres. On est en digue ici, il y a quand même assez de fond. Donc allez, entre 20 et 50 mètres, ça se présente super bien. Oui. Voilà. Donc ben, en parlant de crabe, Greg, ben, tu sais que bon, ben, on a trouvé des vers de sable, on a trouvé un peu d'arénicole, tout ça. Et aussi, ben, ici, on a des crabes de sable. Petit crabe de sable. Petit crabe de sable. Et donc, du coup, ben, moi, ben, je vais te raconter une petite anecdote. Quand j'ai fait un concours en Corse, ben, tu sais, j'ai essayé d'avoir des infos, forcément, je suis allé au bord de la plage. Et il y avait un petit vieux là, qui était en train de pêcher. Et du coup, je vais le voir et
il avait des bouts de bois. Tu vois, il avait ses cannes, mais il avait des bouts de bois devant lui. Et je voulais savoir ce que c'était. Et forcément, en fait, ben, ce monsieur-là, ben, c'était un piège à crabe de sable. Ah ben ça. À crabe de sable, ouais. Ben, écoute, il m'a appris à faire les crabes de sable avec tu simplement, ben, je te, y a pas de souci, tu vois. C'est très simple. Un bout de bois quelconque, pas besoin de longueur, tout ça. Un bout de fil de 1 mètre. Après, qu'on m'a pas, ben, écoute, sardines, bibi, tout ce qu'on a comme vieux appât, tout ça un peu fondé, quoi. Tripes de, voilà, tout de ce poisson. Que, voilà, le crabe, ça prend. Donc, on fait un petit nœud. On fait un petit nœud. Et il y a juste à aller donc en bordure de plage, juste c'est à la limite de l'eau qui monte et qui descend, le tombant, ouais. Voilà, le tombant. On plante notre bâton, que en fait, le bas de ligne navigue. En fait, tu vois, il par rapport au courant, les vagues, tout ça, il suit. Et en fait, quand le bas de ligne, eh bien, il s'arrête, mais forcément, le crabe, il a pris et il s'ensable. Donc, quand tu vois ton bas de ligne qui est arrêté, eh bien, ça veut dire que tu as un crabe au-dessous de ton appât. Maintenant que tu me dis ça, un jour d'ailleurs en compétition, j'avais mis mon montage juste devant le trépied. Et effectivement, il était éché. Et au bout, mon verre de sable s'était enterré, il y avait un crabe. Donc, un petit crabe blanc. Non, tu vois. Bonne technique. Bonne technique. Et en plus, attends, si on peut avoir les appâts à portée de main, quoi, c'est, ah, évidemment, c'est le mieux. Évidemment. Voilà. Allez, on va vérifier si les crabes, ils sont sur les pièges qu'on a posés tout à l'heure. Donc, sur le premier, il n'y a rien. Sur le premier. Et le second, on l'a placé. Ah, le second, il y en a quelques-uns. On voit bien que l'appât est arrêté là, que celui-là, ben, bon, il est un peu plus en mouvement. Je vois le crabe en plus. Donc, écoutez, voilà, on voit bien que l'appât est vraiment arrêté. Donc, ça veut dire que le crabe l'a attrapé et il l'a tiré dans le sable. Donc, ben, écoutez, regardez, c'est simple. Hein. Hop. Voilà, bon là il y en avait qu'un. Bon, mais c'est déjà ça pour vous montrer un peu. Les crabes de sable. Vraiment bon pour la dorade, quoi. Tout ce qui est sparidé, mais bon, là en l'occurrence c'est la dorade. Et donc ce crabe est très 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 bon pour la pêche au bouchon. De plus en plus de pêcheurs se mettent à la pêche au bouchon à la dorade. Et aussi on peut aussi pêcher forcément à la calée. Un petit hameçon là de 4 ou de 2, si elle n'a pas vraiment très sélectif pour la dorade. Allez, bah écoutez, on retourne à nos cannes, on va lui rendre la liberté quand même, la pauvrette. Allez. Il fait le mort là. Ils sont malins. Regardez comment ils s'ensablent. Allez, au revoir. Bon, mais Greg, il nous reste juste un appât à présenter. Le couteau. Allez. Écoute. Je vais prendre le joli, le petit. Non, je ne suis pas en forme. Le plus petit que tu as, c'est hop, un qui vient en forme. Hein. Donc, le couteau, Greg, ben, comme les autres appâts, on arrive aussi à en faire ici. Bon, pas on les a pas à côté. Ouais, hein. Malheureusement, on les a pas à nos pièces, là, mais dans les étangs tout proches. Hein. Tout proche, on en fait. C'est vraiment une pêche ludique, c'est facile. Oui, c'est sûr qu'aller s'amuser avec les enfants pour les faire. La famille, tout le monde passe un bon moment, tout le monde est content. Et après, on peut aller à la pêche. On peut la faire. Bon, la différence des couteaux d'Atlantique, on va dire que par rapport au marais qu'ils ont en Atlantique, on le fait au sel très fin. Différence de nous, que nous, on a une marée vraiment ridicule. Quoi, oui, nous, on le fait en marée, on le fait dans l'eau. On le fait dans l'eau, voilà. Donc, quand nous, on le fait dans l'eau, au lieu de mettre du sel très fin, nous, on met du gros sel. Oui, effectivement, ça tient mieux. Ça tient mieux, l'eau. Mieux, c'est dans l'eau, tout ça. Et comme on en revient, mais, que c'est une pêche facile et surtout amusante. Quoi. Ah oui, très amusante. Quand tu mets ce gros sel dans le trou en 8, parce que tu sais, le trou, c'est une forme de 8, une serrure. Ouais. Mais qu'on met ce sel et qu'on voit souffler, le surtout couteau. Surtout quand il sort. Voilà, et quand il sort, bah, écoute, c'est extraordinaire. Ah ouais. Et quand on voit, quand on l'attrape et qu'il force, pour regagner son trou, pour qu'il soit pris, c'est vraiment... Ça peut amuser, femmes et enfants. C'est vraiment rigolo. Donc, pour le léchage du couteau, il y a plusieurs façons. Il y en a qui mettent la meçon donc à la langue ou à la tête. Hein? Ouais. Donc, écoute, là, tu rentres ton aiguille de part en part et tu essayes de fuir la coque.
pour esquinter, ben, on va dire le couteau au minimum. Tu vois, la langue, elle n'est pas abîmée. Ouais. T'en as carrément, il passe au milieu. Franchement, l'intérêt, c'est que la langue soit encore vivante et qu'elle bouge. Quand elle va commencer à bouger avec dans le sable, la dorade ou un autre poisson, ben, il va être affolé et il va revenir de suite. Ah oui. Donc là, on prend donc, le montage, donc hameçon simple. Après, bien sûr, il y a des différents. Il y en a qui mettent deux hameçons. Moi, j'en mets juste un, ça suffit amplement. Disons que c'est là, surtout selon la taille des couteaux. Et lorsque le couteau va faire une quinzaine de centimètres, ça va mieux peut-être de mettre deux hameçons. Mais sur ce genre de couteau, ça va très bien comme ça. Après, c'est chacun un milieu. Voilà, présenté comme ça. Et ce que je fais pour maintenir le couteau lors du lancer, je mets un coup d'élastique au niveau du haut. Alors, pour une raison déjà, pour maintenir la part, mais aussi pour faire sortir la langue. Comme ça, au moins, ça sera plus attractant. Parce que c'est vrai, quand tu mets l'hameçon et que tu ne fais pas ça, tu as la langue qui est à l'intérieur. Ah oui. Là, on va forcer un peu, la langue va sortir. Ça sera, je pense, un peu plus attractant. Plus attractif. Attractif, c'est ça. Voilà, donc un petit coup, une demi-clé. Voilà. Et on coupe. Donc là après, ben écoute, le couteau est prêt à lancer. Voilà, tu vois, la meçon est légèrement décalée. Voilà. Bon ben écoute Greg, on a passé en revue les différents appâts. Les essentiels notamment. Surtout que la majorité des appâts aujourd'hui, ben, on les a trouvés sous nos pieds. C'est ça. C'est ça aussi la pêche. Poser une canne, essayer de chercher autour de soi les appâts d'une fraîcheur irréprochable. Avoir des appâts d'une fraîcheur irréprochable, ça donne des meilleurs résultats forcément. Et puis aussi, d'une manière ludique, aller faire les couteaux dans un étang, en famille, ça permet de sortir la femme, les enfants adorent ça. Ça donne une excuse supplémentaire pour une autre partie de pêche. Maintenant, ils sauront les échets. Tu m'as appris pas mal de choses et j'espère que je t'en ai appris. Nous espérons qu'avec les techniques que nous vous avons montrées, vous arriverez à toucher la belle mémère. La belle saucisse d'or. Nous, on va essayer d'aller en attraper une. On va pas rentrer à la maison avec une belle journée comme ça. On va mettre une canne. Ouais. Allez, mon petit poulet. On va essayer d'attraper une. Allez. Au revoir, messieurs, dames. Ciao.